Our next panel comes to us from Montreal. It has been organized by le Centre de Recherche Interuniversitaire sur la Humanité Numérique, and the subject is Post-Vérité et Autorité, une table ronde organisée par le Centre de Recherche Interuniversitaire. And over to them. Bonjour à tous. Michael Sinatra, je suis le directeur du Centre de Recherche Interuniversitaire sur les humanités numériques basé à l'Université de Montréal. Et c'est avec grand plaisir que je vous accueille ce matin virtuellement de Montréal avec nos trois conférenciers pour parler de cette importante thématique de post-vérité et autorité. Selon le dictionnaire Oxford Dictionary, le mot de l'année 2016 est post-vérité, défini comme un adjectif en rapport ou en définissant circonstances dans lesquelles les faits objectifs sont moins influents dans la formation de l'opinion publique que les appels aux émotions et aux croyances personnelles. Le Brexit, l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis ont été des contextes où le terme de post-vérité a été le plus souvent utilisé, surtout en se référant à la circulation de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux. Cela a été possible, dit-on, à cause du manque d'une autorité ultime validant la véridicité de ces nouvelles. Ce manque est-il structurel dans le web ? Dans le web, est-il vrai en fait qu'il n'y a pas d'autorité ? Ce matin, nous avons... Okay, so, hello everybody. Des littératures de langue française qui vont adresser ce sujet. Tout d'abord, Servane Monjour, qui est postdoctorante à la chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques. Ses travaux portent sur les nouvelles mythologies de l'image à l'ère du numérique. Et depuis 2014, elle est la coordinatrice de la revue numérique Sciences Publiques. Nous avons ensuite Enrico Agostini Marchese, qui est étudiant au doctorat ici, qui, après des études esthétiques sur le statut de l'image dans la littérature et la philosophie du XXe siècle, a des recherches maintenant qui portent sur la production et la structuration de l'imaginaire spatial dans la littérature numérique contemporaine francophone. Il est membre, lui aussi, de la chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques, dont notre troisième participant, Marcello Vitali Rossati, professeur agrégé de littérature et écriture numérique, en est le titulaire. Marcello Vitali Rossati, après avoir publié une première monographie sur Emmanuel Levinas, a publié « Corps virtuel, itinéraire à partir de Merleau-Ponty » en 2009, qui portait sur le concept de virtuel, notion à laquelle est également lié son essai « S'orienter dans le virtuel » publié en 2012. Son dernier ouvrage, publié en 2014, « Égarement, amour, mort et identité numérique », explore la question identitaire telle qu'elle se pose à l'ère d'Internet. Il mène dans son ensemble une réflexion philosophique sur les enjeux des technologies numériques. Nous commençons donc notre table ronde qui sera articulée autour de trois questions, avec une première question sur post-vérité et autorité. Comme je l'ai dit, le terme post-truth a été élu mot de l'année 2016 par The Oxford Dictionary, et plusieurs phénomènes sont d'ailleurs venus appuyer ou en tout cas illustrer ce choix, à commencer par le concept de fait alternatif. Je vais donc demander à Servane de commencer à adresser cette question. Merci, Michael. Alors, pour cette première question, je vais la prendre un petit peu à rebours en ne parlant pas du tout du numérique, puisque je voudrais remettre en perspective historique la notion que nous avons aujourd'hui. En vérité, ça fait longtemps qu'on a compris que la vérité était une construction et non pas quelque chose par essence qui existait tel quel. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est que depuis le XXe siècle, tout au long du XXe siècle, mais probablement même avant, et en particulier à partir des années 70 et 80, avec ce que l'on a appelé justement, alors le terme est très critiqué, mais ce qu'on a appelé la postmodernité, il y a eu toute une production esthétique, artistique et littéraire qui s'est amusée à parodier, à pasticher les formes rhétoriques de la vérité. On peut penser au mockumentary qui a été beaucoup utilisé au cinéma ou encore dans les séries télé. Si vous êtes, si vous regardez très de temps en temps Parks and Recreation, c'est une série télé qui se présente sous la forme d'un documentaire. Dans l'art contemporain aussi, on peut citer quelqu'un comme Joan Huberta qui, dans sa pratique artistique, s'attache uniquement à faire des installations, donc des installations esthétiques, photographiques, qu'il place dans des espaces où normalement l'art n'a pas sa place. Donc par exemple, un musée des sciences naturelles, dans les années 80, il avait déjà présenté des animaux chimériques qu'il avait construits lui-même
Donc, des animaux chimériques qui ont une place dans la mythologie, par exemple des sirènes. Et il avait présenté cette installation-là, artistique, au musée d'histoire naturelle de Barcelone. Donc, les gens rentraient dans le musée d'histoire naturelle, ils voyaient là des sirènes, ils voyaient des chimpanzés avec des corps de chèvre, des serpents transformés en mille pattes. Donc, voilà, il y avait déjà un jeu avec un espace qui détient une autorité. Il fait ça aussi avec des monographies, donc l'espace du livre comme étant une forme d'autorité qu'on peut s'amuser justement à déjouer et pour bien montrer que finalement la vérité, ou en tout cas une forme d'authenticité, d'objectivité, de vérité, dépend de support, dépend d'une forme rhétorique, dépend d'une forme visuelle. Alors cette parodie des formes rhétoriques propres au genre auquel on attribue une valeur d'objectivité montre bien que ce que l'on appelle objectif ou vrai a toujours été le fruit d'une construction, d'une rhétorique qui d'ailleurs s'enseignait, apprenait plus ou moins bien à écrire des journaux, à faire de la photographie pour les journaux. Donc savoir parler vrai, c'est quelque chose qui aussi s'enseigne, c'est de la rhétorique. Donc aujourd'hui, je ne crois pas qu'on assiste du tout à la fin de la vérité, mais plutôt à la mise en évidence à travers, donc aujourd'hui, ce que font en effet des hommes politiques, c'est un peu terrifiant, mais à travers aussi ce qu'a fait toujours l'art, c'est-à-dire la parodie et le pastiche, on assiste à l'idée que la vérité, c'est pas plutôt quelque chose d'essentiel, mais c'est quelque chose de construit. Ça, aujourd'hui, c'est mis en évidence, mais ça a toujours existé. Merci bien. Marcelo. Oui, je vais répondre à ce que disait Servan, regardant d'un autre point de vue, qui est. Ça parle plutôt de vérité, je vais parler plus de la question de l'autorité, notamment en essayant d'abord de donner une définition, parce que c'est pas très clair à ce qu'autorité veut dire, et très souvent, le concept d'autorité est confondu avec le concept de pouvoir fort, pouvoir aussi violent. En fait, je voudrais revenir à la définition d'autorité d'Anna Arendt, et qui peut sembler paradoxal à Arendt dit, bah, l'analyse d'Anna Arendt, c'est pas le souhait de dire que les régimes totalitaires sont des régimes qui manquent d'autorité. Donc, ce qui pourrait sembler paradoxal, parce qu'on pourrait penser que le régime justement totalitaire étant autoritaire, hein, il serait basé sur l'autorité. Alors Arendt dit non, ce n'est pas tout le cas. C'est la violence des régimes totalitaires dérive justement du fait qu'il n'y a pas d'autorité. Donc, qu'est-ce que c'est que l'autorité, de ce point de vue, et quelle est la définition que propose Anna Arendt? Alors, l'autorité est quelque chose à quoi on obéit, mais avec deux conditions, que nous ne sommes pas contraints à obéir. Donc, il n'y a rien qui nous oblige physiquement ou d'une autre manière à obéir. Donc, c'est pourquoi dans les régimes totalitaires, il n'y a pas d'autorité, parce qu'en fait, quand on est obligé avec la force à faire quelque chose, ce n'est pas une autorité, c'est un pouvoir violent, c'est toutes sortes de choses, c'est toutes sortes de contraintes physiques, une force, un pouvoir violent, etc. Mais ce n'est pas une autorité. Donc l'autorité, on obéit sans être obligé, et on obéit aussi, deuxième facteur, sans avoir besoin d'être convaincu avec un argument rationnel. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de vérité quand on a une contrainte à obéir, ni quand il y a quelqu'un qui démontre rationnellement qu'il a raison. Donc, si je suis capable de démontrer rationnellement que c'est mal de fumer et que Michael arrête de fumer parce que j'ai bien donné des preuves scientifiques que fumer fait mal, ça ne veut pas dire que j'ai de l'autorité, ça veut dire juste que je l'ai convaincu avec un argument rationnel. L'autorité est donc la capacité, une instance qui a la capacité de produire de la confiance et de l'obéissance sans besoin d'avoir recours à la violence ni à l'argument rationnel. Donc, on a besoin, ça c'est pour dire qu'on a besoin d'autorité parce que l'autorité est typiquement une instance à laquelle nous pouvons faire confiance. Le problème de la post-truth aujourd'hui est très lié justement à un manque de reconnaissabilité des instances d'autorité. À savoir,
aux instances d'autorité classiques, comme par exemple l'État, certains médias. Donc, je fais confiance à tel autre journal parce que, pas seulement parce que je le connais, parce qu'il a une autorité. Et donc, quand je lis une information présentée par tel ou tel autre quotidien, je fais confiance et que cette information donc est vraie, qu'elle est bien présentée et qu'il n'y a pas de mensonge, etc., etc., au moins véridique, c'est-à-dire que le journaliste a fait au mieux son travail. Et du coup, je considère cette information étant vraie. Ça, c'est un régime de vérité dans lequel il y a des instances d'autorité reconnaissables et claires. Le problème de l'espace numérique est que plusieurs instances d'autorité traditionnelles n'arrivent pas à trouver leur place à l'intérieur de l'espace numérique. Et que donc, on a un phénomène de flou. On ne sait plus à qui on peut faire confiance. Mais ça ne veut pas du tout dire que l'espace du web et l'espace digital n'est pas inséré sans autorité. Au contraire, le web pullule des dispositifs d'autorité. Pensons à les plus grandes entreprises du web, les plus grands acteurs du web, qui pensent à Google, mais aussi à Facebook, mais aussi à Netflix, etc. Ce sont des entreprises qui vendent justement, qui peuvent exister justement parce qu'ils ont produit des modèles d'autorité. Google ne peut exister que parce qu'on lui fait confiance. Google, c'est que nous vend Google, c'est une instance d'autorité qui me dit que si j'utilise son moteur de recherche, je vais trouver les résultats. Et ça, j'obéis, donc je crois au fait que Google classe les résultats de la meilleure manière, sans besoin d'être obligé avec la force. Il y a personne qui m'oblige à utiliser Google comme moteur de recherche, et sans avoir été convaincu par un argument rationnel, parce que je ne connais pas du tout l'algorithme sur lequel le moteur est basé. Donc, c'est typiquement une instance d'autorité très forte. Or, la question, à mon avis, c'est de pouvoir poser cette question. Signifie, à l'époque du numérique, signifie essayer d'identifier quelles sont les nouvelles formes d'autorité, comment elles se produisent et comment des formes anciennes de production de l'autorité peuvent reprendre leur place dans cet espace numérique. Un exemple typique pourrait être celui des médecins et de l'autorité sanitaire. Alors, à côté des alternative facts dont on a parlé justement, Donald Trump, etc., mais longtemps, par exemple, la question de vaccination et le fait que des fausses informations faussement présentées comme scientifiques circulent, qui disent selon lesquelles les vaccins, les vaccinations seraient dangereuses, etc. Donc, qui ne sont pas basés du tout sur les scientifiques, mais qui ont une autorité, justement, notamment parce que des instances d'autorité comme Google les classent parmi les premiers résultats, ou dans les films Facebook, elles sont placées bien visibles pour cet usage. Donc, la question, dans ces cas-là, c'est de savoir comment l'autorité sanitaire traditionnelle peut reprendre une place à l'intérieur de l'espace numérique et être à nouveau et donc contrer des phénomènes de production de fausses informations qui sont validées par d'autres dispositifs. Merci, Marcelo. Enrico, sur cette question. Merci, Michael. Alors moi, j'aimerais bien aussi me rattacher au discours de Sylvain, surtout parce qu'ils ont bien mis en évidence que les concepts de vérité et d'autorité sont des concepts très problématiques. À mon avis, par exemple, parce qu'on a toujours eu dans l'histoire de l'humanité des problèmes de fausses nouvelles à partir de la donation de Constantin, etc., ou par exemple aux fausses reportages sur les conspirations juives 19e et 20e siècle, qui ont contribué à développer ce anti-sioniste. Et donc, ma question à moi est pourquoi aujourd'hui on institutionnalise les termes de post-vérité de façon très différente par rapport à. Donc, selon moi aussi, c'est une question d'espace, Eric, parce que, à mon avis, aujourd'hui, on voit plutôt une multiplication d'espaces
grâce au numérique et aux nouvelles technologies et aux possibilités qui sont ouvertes, ce qui produit un certain glissement, un certain sentiment de déplacement par rapport à l'autorité en tant que correspondance, toujours tendance à penser à la vérité seule. Aujourd'hui, on insiste par contre à la multiplication des conceptions de vérité, des espaces de vérité, d'autorité et des régimes de vérité. Ce sont donc des espaces qui permettent des paroles publiques beaucoup plus nombreuses qu'auparavant, par exemple avec les réseaux sociaux ou avec le site internet, les blogs, etc. On a la possibilité d'accéder à une parole publique et à une scène publique de façon amplifié par rapport à déjà 5 ans. Et pour moi, c'est vraiment une question d'espace. C'est-à-dire, comme disait Carl Schmitt dans son Nomos de la Terre, chaque pouvoir, chaque nomos, donc chaque norme, est instanciée sur un espace qu'elle structure, organise et puis ensuite ordonne. Or, les réseaux sociaux, Internet, etc., ce sont des espaces qui sont en concurrence avec l'espace public des médias traditionnels auxquels on est habitué. Ce sont aussi des espaces différents par rapport à la scène publique, au concept de publicité, d'après Habermas. Et donc, il nous pose des problèmes de trouver des nouveaux nomos, c'est-à-dire des nouveaux pouvoirs et des nouveaux instances d'autorité produisent à leur tour des vérités auxquelles on n'est pas du tout habitué. Donc, on a affaire avec plusieurs régimes de vérité. Par exemple, Marcello citait justement Google qui produit un régime de vérité qui n'est pas du tout celui de la vérité en tant que correspondance, mais on dirait plutôt de la vérité en tant que performance, opérativité. Les résultats qu'on affiche à la première page de Google, ce sont des résultats produits par la de Google, ce ne sont pas du tout des résultats qui reposent sur des critères scientifiques, mais ce sont des productions de vérité. Également, Facebook est une production de vérité. Le nombre de partages, d'interactions, des relations sociales qu'on a entre amis et entre sont exactement ce qui structure cet espace. Mais il y a aussi les cas, par exemple, d'autres pratiques, par exemple Wikipédia ou, on pourrait dire, même le site institutionnel des universités ou des États. Ce sont des structures spatiales d'ordination coordonnées, les espaces numériques et les autorités. Donc aujourd'hui, la question, à mon avis, c'est de comprendre comment arriver à gérer cette multiplicité des espaces et les régimes de vérité qui en découlent, tout en essayant de garder valide et un certain discours de vérité qui, quand même, nous est utile et surtout est moral. Parce que, par exemple, le pouvoir de Trump a été celui d'exploiter cette ambiguïté de Facebook et des autres réseaux sociaux, de jouer sur les feuilletements de régimes et de conception de vérité pour utiliser Data Mining Factory et des outils numériques bien plus adéquats à l'ère où nous vivons et d'autres instances, telles que les journaux, les médias traditionnels. C'est en répondant à cette belle disposition de la conception des vérités, qui est, par exemple, en France, Le Monde, mais plusieurs d'autres journaux et quotidiens, ont fait des ententes avec Facebook pour contraster les phénomènes d'alternative facts and fake news. C'est là aussi amène à prendre en compte les usagers, parce que Facebook, par exemple, vient de demander aux usagers d'aider la plateforme à faire une sorte de censure sur les vidéos en direct qui ont montré de meurtres, de suicides, etc. Parfait, merci bien, Nico. La deuxième question, en fait, ce matin, que vous avez réfléchi à cette question, a à voir avec la liberté. Une réflexion sur le numérique qui est également très polarisé. Un débat est vite
En effet, entre ces acteurs et ces partisans, puisque se pose notamment la question du rôle et du statut des usagers du web, des esclaves ou des acteurs. La question ainsi posée nous enferme sans doute dans un débat un petit peu plus. Et il faut se dire qu'on peut avancer plutôt, comme le CBR d'éditorialisation, encore, une stratégie de maîtrise de la vie prise. En d'autres termes, quelles seraient les stratégies d'appropriation de l'espace numérique? Je vais commencer par Marcelo cette fois. Oui, la question de la liberté et du rapport entre détermination et liberté par rapport aux usages numériques me semble fondamentale et aussi très liée à cette question de l'autorité et de la postérité. C'est-à-dire à quel point les usagers sont des protagonistes de l'espace numérique et à quel point ils sont simplement agis par les outils et donc c'est conféré, serait complètement prédéterminé par les grands acteurs techniques du web et du monde numérique, notamment on en a déjà parlé, etc. On appelle les GAFA, mais qu'on pourrait éteindre avec tous les acronymes, anacronymes infinis qui comprendraient Uber, Netflix, et tout Airbnb et tous ceux qui naissent au fur et à mesure. C'est une vraie question, justement, c'est en effet au centre de nos réflexions de cette année pour le séminaire éditorialisation. En particulier, on avait repris, en effet, comme tu mentionnais la question, cette expression de Louise Berzeau, selon laquelle il faudrait s'interroger à quel point on peut avoir une maîtrise de la déprise. Donc, d'une certaine manière, nous perdons la maîtrise de ces outils, c'est ces outils qui possèdent, mais de l'autre côté, nous pouvons peut-être, par cette déprise, à maîtriser cette déprise. Donc, on peut avoir, nous pouvons nous approprier l'espace numérique. Je ferai probablement quelques exemples pour apporter cette question, sachant que notre position, c'est justement que peut pas résoudre la question en prenant une position ou l'autre. Ce n'est pas vrai que nous sommes complètement passifs dans les mains des outils, ce n'est pas vrai non plus que nous sommes... Il est évidemment vrai, comme souvent on a envie de soutenir. Alors il faut dire que par rapport à cette polarisation change selon les époques, selon les années. Alors plus ou moins la mode de parler bien du web et du numérique, plus ou moins la mode de parler mal du web. Et peut-être les toutes dernières années, en effet, ont vu une renaissance du discours fortement critique, je pense notamment de Evgeny Morozov. Donc il est absolument vrai de constater que des entreprises privées ont la main sur plusieurs des actions qui se passent dans l'espace numérique, et donc aussi sur notre façon de penser et sur nos valeurs, etc. Ça, c'est sans doute vrai, mais en même temps, il y a toujours une possibilité de réappropriation. Je fais un exemple très simple qui ouvre une question que peut-être tout à l'heure traitera mieux Serval, qui est celle de s'approprier certains outils et d'enseigner certains outils. Donc, je pense que la clé de cette, une des clés de cette maîtrise est celle de la littératie numérique et qu'en tant que professeur et en tant qu'enseignant, nous avons un peu le devoir d'enseigner ces outils et d'en donner un sens critique. Cette année, depuis toujours, par exemple, cette année en particulier, je donne aux étudiants comme devoir les cours des travaux sur Wikipédia. Cela implique qu'ils étudient les dispositifs, ils les comprennent, donc ça veut dire aussi qu'ils comprennent les dispositifs de production d'autorité, pourquoi un article est plus fiable qu'un autre, comment le dispositif Wikipédia valide les informations, ce n'est pas trivial, c'est assez complexe, donc comment fonctionne la communauté, quelles sont les règles formelles à respecter, etc. Aussi un minimum de code, des examens, de comment on met un bandeau,
comment on cite une source, donc un minimum d'examen technique, ce qui permet de comprendre comment l'autorité se produit dans cet espace et aussi d'en devenir acteur, c'est-à-dire d'être capable de produire des informations, de les mettre en ligne et de dialoguer avec une communauté. Or, il est clair que Wikipédia est un exemple particulièrement positif à l'intérieur de ces outils. C'est une fondation, c'est un peu éducatif, il y a une communauté qui l'a fait vivre, et ce n'est pas une entreprise privée, mais ces espaces, le fait que Wikipédia soit quand même parmi les premiers sites vus dans l'espace du web est significatif. Ça veut dire que nous avons la possibilité et la liberté de créer des espaces publics, je dirais, qui sont les nôtres, qui sont dans les mains des usagers, et que sans doute, et ça c'est peut-être un peu le problème, la limite du numérique, peut-être tout espace pratique, la possibilité de parole, la possibilité d'avoir un rôle, donc le poids qu'un usager a, est très souvent directement proportionnel à son activité. C'est-à-dire que celui qui est le plus présent est celui qui a le plus raison. C'est qui, évidemment, pose des problèmes. Ça, c'est un côté, celui qui est le plus présent, et de l'autre côté aussi, celui qui a le plus avancé. Mais bon, disons que ce sont des phénomènes qui difficilement peuvent être créés, qui sont absolument vrais. Donc, ces phénomènes de compétences à côté des phénomènes de centralisation produites par des entreprises. Évidemment, on ne peut pas les disparaître. En même temps, en tant qu'usager actif et en tant qu'usager critique, nous pouvons produire des espaces d'appropriation et ces espaces peuvent être vraiment des espaces publics. Je trouve que la question devient fondamentale, c'est que l'espace public devient plus notre espace principal, c'est l'espace où nous vivons. Donc, ce n'est pas seulement question d'avoir une place dans le monde, ce n'est pas seulement avoir une place dans le monde de la communication, c'est vraiment avoir une place dans notre monde. La quasi-totalité des choses que nous faisons aujourd'hui, au moins dans nos sociétés occidentales, est liée à web. Nous sommes en conférence, nous faisons utilisent des outils numériques, nous cherchons la quasi-totalité des informations sur le web, nous réservons nos billets d'avion, nous cherchons un restaurant, nous organisons nos vacances. Donc, l'ensemble de nos actions est lié au web. Du coup, la nécessité de créer des espaces qui soient des espaces publics est vraiment primordiale. C'est exactement comme créer des espaces publics dans les villes, dans les pays, etc. Donc, je trouve que c'est une question fondamentale et que c'est le fait de mettre en place des bonnes pratiques à partir, par exemple, de l'enseignement est primordial pour créer des espaces de liberté qui peuvent aussi être des espaces de production de l'autorité, d'une autorité publique qui ne soit pas seulement l'autorité de Google. Merci. Enrico, maintenant. Oui, merci beaucoup. Moi, j'aimerais bien encore revenir sur l'idée, surtout pour attacher à ce dont parlait Marcelo tout à l'heure. C'est-à-dire, on a dit qu'on a plusieurs régimes de vérité, plusieurs instances, etc. J'aimerais bien aussi faire une différence entre ce qui se passe public et c'est l'autorité pour laquelle on est tous habitués. Par exemple, un État, dans son territoire, dans son espace, c'est pas aucun pouvoir qui ne soit pas sien. Par exemple, l'utilisation de la force ou les monopoles. Dans l'espace numérique, par exemple, on n'a pas cette situation de monopole parce qu'on a plusieurs fournisseurs de services qui sont en France, on a plusieurs possibilités d'utiliser la même chose, on a plusieurs réseaux sociaux, on a plusieurs formats. Plusieurs, par exemple, pour rester sur le milieu universitaire, on peut choisir de télécharger ou bien les meilleurs textes libres ou propriétaires. Ce qui revient encore à la question des usagers. Par exemple, si on répond à l'histoire, Rousseau disait que l'autorité est produite par quelqu'un qui occupe un espace, qui pose des clauses, dit ça, c'est un point, mais ce sont les autres
qui, en respectant ce que ce premier homme dit de c'est à moi, ce sont les autres qui lui accordent cette autorité. Et donc, c'est aussi la liberté des usagers de donner l'autorité et de se consigner à. Alors, par exemple, le fait de devoir s'occuper des pratiques, de devoir enseigner pour ce qui concerne les chercheurs, etc., de se renseigner pour ce qui concerne les usagers, est un des enjeux les plus importants de cette époque. Parce que si on revient aussi encore à la question de post-truth, autorité, Trump, Brexit, a complètement bouleversé le champ de l'information, les médias, les réseaux sociaux. Je n'avais pas du tout vu arriver Trump, Brexit. C'est que ce sont été les usagers qui, en attendant, réduisant, en partageant sur Facebook, ont accordé une autorité et une certaine importance aux outils numériques et à l'autorité qu'ils voulaient. Les outils numériques, évidemment, sont des outils, sont des moyens, ne sont ni mauvais à priori, ni sont du bien absolu. C'est toujours une question de l'utilisation qu'on en fait. Et surtout, on a de plus en plus cette nécessité de comprendre la façon dont les choses fonctionnent pour ne pas être esclave des outils numériques que nous utilisons, parce que de toute façon, on ne peut pas renoncer à utiliser aujourd'hui des outils numériques, on ne peut pas vivre en dehors du numérique et des technologies. Mais il faut bien les comprendre, comprendre les principes qui sont à la base, leur fondation et surtout les valeurs que ces outils portent. Parce que utiliser LibreOffice ou utiliser la suite Office ne veut pas du tout dire participer au même espace. Produire un espace, utiliser Google pour les recherches ou utiliser de banques de données institutionnelles, produit des espaces et un discours public ou un droit qui n'est pas du tout la même. Moi, j'aimerais bien aussi faire référence à ce que, par exemple, Amazon, c'est une ère d'éditorialisation et écriture numérique de cette année, proposait, c'est-à-dire de poser une différence spatial entre deux possibilités de construire un espace pour l'usager autour d'un profil Facebook ou Twitter ou n'importe quel autre. Louis Nerzo pose la différence entre espace topos ou espace topos. L'espace topos est l'espace de profilage, le point central, le profil vu comme tout simplement le point d'une activité qui peut être profilé par les big data, etc. Au contraire, voir sa présence en ligne en tant que Coros permet aussi de structurer son propre espace, de trouver des dynamiques, des mouvements de danse, le terme utilisé par Mezzo, des danses qui produisent un espace géré par l'usager lui-même, tout en acceptant évidemment les contraintes de la plateforme qu'il utilise, parce qu'on ne peut pas faire différemment, mais en les utilisant de façon beaucoup plus consciente. Ce qui revient aussi à la question des espaces, disons, réels, en contraposition aux espaces numériques dont nous avons parlé jusqu'ici. Par exemple, le Big Data s'empare de plus en plus aussi des espaces physiques, réels, concrets, notamment celui de la ville. Fabien Girardin est en train de poser une réflexion très intéressante sur d'une certaine maîtrise de la déprise aussi, le profilage dans la vie réelle. Il propose de différencier entre digital footprints, les empreintes numériques actives et passives, c'est-à-dire il y a des façons de vivre qui produisent des empreintes numériques qui sont passives parce qu'on n'a pas décidé de les partager. Et par contre, il y a des empreintes numériques on peut décider de partager tel que un avis sur TripAdvisor, un avis sur Airbnb, on peut toujours décider d'ouvrir ou de ne pas ouvrir un compte Facebook. Donc, on a quand même certains décrets de liberté dans l'emploi des outils numériques et dans la façon dans laquelle nous vivons l'espace numérique aujourd'hui. Merci, Marco. Ça va?
Je reviendrai un peu sur ce que Marcello disait à propos de la digital literacy, en tout cas de la littératie numérique et de la nécessité aussi de l'enseigner, puisque la liberté, en fait, c'est le sujet de la question, elle s'acquiert d'abord dans la maîtrise de nos outils, donc il ne s'agit pas de diaboliser complètement le numérique. D'ailleurs, le numérique montre bien qu'on ne maîtrise pas du tout. Parce que c'est un terme basse qui ne signifie pas forcément grand-chose. Et pour parvenir à avoir cette maîtrise, il y a aussi la nécessité de l'enseigner. À l'heure actuelle, il y a justement un effet de naturalisation, en fait, de sécularisation des technologies numériques et du web auprès des plus jeunes qui sont nés avec ces technologies-là, qui savent généralement bien se servir et bien maîtriser leurs appareils. Ils sont tout le temps... ils utilisent Facebook en cours, leur téléphone. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas forcément comment fonctionnent tout à fait ces appareils, quelles sont les valeurs qui sont sous-tendues par certaines technologies. On sait, tout à l'heure, Marcello parlait des algorithmes, et toi, tu parlais d'un peu de big data. Donc, cette naturalisation, cette sécularisation qui est inévitable parce qu'elle fuit aussi de l'émergence d'un certain nombre d'autorités numériques, ce que tu disais, Marcello, c'est aujourd'hui, on interroge Google et on fait tout à fait, on est quand même relativement confiance à Google, on est tous en train d'utiliser en tout cas. Mais il est donc important de développer cette littératie numérique pour bien faire comprendre le fonctionnement des outils, comprendre pourquoi et comment ils peuvent être prescriptifs, comment ils peuvent déterminer nos pratiques, et comprendre aussi pourquoi, pour le coup, ils font autorité, afin de commencer peut-être à démonter un petit peu ces ressorts d'autorité. Actuellement, peut-être qu'on est un peu en train de perdre du terrain par rapport à cette question de la littératie numérique, parce que finalement, les générations d'avant avaient des outils qui étaient compliqués à manier, et donc pour les utiliser, devaient s'y connaître un petit peu. C'est-à-dire qu'on pouvait démarrer des choses en ligne de commande, un peu plus facilement qu'aujourd'hui, avec tous nos appareils qui sont très intuitifs. Alors ça, c'est l'effet Apple, ils sont très faciles, et on ne se pose aucune question, on clique sur un bouton et ça marche. Donc, pour maîtriser la déprise, il y a la nécessité d'enseigner, mais pour le coup, il y a aussi la nécessité de se poser la question à nous, comment est-ce qu'on doit enseigner. Il faudrait aussi revoir nos modes d'enseignement, nos modes d'information, c'est ce dont parlait Marcello qui a publié un papier là-dessus. Est-ce qu'on peut justement remplacer l'examen de fin de session par une participation, une contribution à Wikipédia tout le long de la session plutôt que de faire l'examen à la fin. Et donc, la question, c'est aussi de repenser un petit peu notre autorité, c'est-à-dire l'autorité académique, celle de l'université, et de poser en fait, la responsabilité de l'institution académique. Alors, il y a quelques personnes qui ont parlé de ça. Je pense par exemple à Paul Smith dans son ouvrage Uncreative Writing. Donc, il parle d'une écriture finalement qui serait non créative ou anti-créative, pour justement repenser l'enseignement de la création littéraire. Le principe de l'uncreative writing, c'est d'utiliser sur le web tout ce qui existe déjà. C'est-à-dire qu'on n'invente plus rien de nouveau. Les étudiants arrivent en création et on leur demande ne sois pas créatif, n'invente rien de nouveau. Mais au contraire, utilise des matériaux que tu as trouvés ailleurs, utilise des images qui existent déjà, des outils qui existent déjà, et refabrique quelque chose avec. Donc, utilise les matériaux textuels, visuels mis à disposition sur le web pour reconstruire quelque chose à partir de ce qui est déjà là et déjà fait. C'est un peu comme une sorte de création à partir d'un kit IKEA, c'est-à-dire qu'on est censé avoir déjà le meuble qui pourrait être fait d'une certaine manière, mais l'idée c'est de le transformer en autre chose. Ce qui est intéressant, c'est que Goldsmith nous dit que paradoxalement, à la fin de la session, les étudiants viennent le voir en lui disant que justement, avec cet impératif qu'ils avaient de ne pas avoir à inventer quelque chose de nouveau et à créer quelque chose de nouveau, ben justement, ils n'ont jamais été aussi créatifs. Ils n'ont jamais été aussi créatifs qu'en s'inscrivant dans cette méthodologie anti-créative. Parce que justement, le principe d'appropriation oblige à mener une réflexion qui va être beaucoup plus approfondie sur ces modalités même de création. Donc, au lieu de penser à faire du neuf, on réfléchit plutôt au statut des outils qu'on utilise, en l'occurrence au statut du web, au statut des matériaux qui sont sur le web, à ce qui existe déjà, comment c'est arrivé là et pourquoi. Donc justement, et là, on pourrait citer quelqu'un d'autre, on pourrait citer Gert Lobbing avec le principe de tactique média,
y a ce principe de détournement, ce principe de parodie et de pastiche, les principes sont au cœur d'appropriation web, qui sont très importantes à la fois en termes quantitatifs, mais aussi en termes qualitatifs. Je prendrai ici l'exemple d'un meme qui a circulé pendant le Super Bowl aux États-Unis. C'était assez rigolo, donc, parce qu'il y avait Super Bowl partout sur Twitter, sur Facebook, et les gens ont commencé à tweeter Super Bowl, le hibou superbe, et là, vous aviez sur Twitter, en même temps que les joueurs de foot, vous aviez plein de hiboux et de chouettes qui ont commencé à émerger partout sur Twitter. Donc, ce type d'usage ludique et parodique des nouveaux médias est complètement essentiel à l'appropriation. C'est pas du tout nouveau, il y a toujours ça avec la photo, le cinéma, la radio, il y avait des radios pirates. Et c'est vraiment une pratique essentielle justement à la sécularisation, à la naturalisation des nouveaux médias en règle générale. C'est cette idée de reprendre la main, pour montrer que l'autorité de plateforme, des logiciels ou des grandes multinationales n'a rien d'une fatalité. L'autorité, c'est aussi à nous, finalement, de la construire. Merci, Sarvan. Donc, notre dernier point dans les 15 minutes qui nous restent ce matin, la question d'outils. On assiste à l'heure actuelle à une importante multiplication des cas de détournement des outils numériques. Et ces détournements font en fait l'objet d'une analyse par les membres de notre équipe ici à la chaire, donc dirigée par Marcel, auquel nous faisons tous partie. Mais nous avons aussi mis en pratique nos propres stratégies de détournement dans le cadre de différents projets. J'aimerais, pour terminer ce matin, vous demander de vous expliquer un petit peu votre démarche individuelle en proposant un bref bilan. Et plus largement, pensez-vous que ces outils numériques, tels que Twitter, peuvent renouveler notre pensée critique? Merci. Moi, j'aimerais bien présenter un cas très concret. Par exemple, ici à Montréal, il y a un collectif, un chantier collaboratif d'écriture qui se déroule via Twitter, via un site web, blog, Tumblr, Instagram, qui s'appelle Dérive, qui fait référence de façon directe à la dérive débordienne, donc à toute la constellation de tout. Ces projets, c'est très intéressant parce qu'il permet de voir comment les outils numériques, notamment le téléphone intelligent, ont permis de détourner, par exemple, pour ces cas-là, détourner l'image de la ville, en particulier Montréal, dans ces cas. Dans un ouvrage de 1960, Kevin Lynch, le géographe américain, parlait de voir limite et point de repère en tant qu'élément constituant l'image de la ville. Évidemment, ces éléments sont des éléments institutionnalisés, posés par une autorité politique publique qui fait l'urbanisme la ville, et donc une structure, une forme et une image à la ville. En décidant de privilégier certains boulevards, certaines rues par rapport à d'autres, etc. Les projets Dérive est en train de repenser l'image de la ville à travers l'utilisation du numérique et de la constellation numérique, soit les réseaux sociaux, et ou soit site internet et téléphone intelligent. Donc il y a une exploration de la ville, une exploration qui reprend les dérives des bordiennes, donc en essayant de découvrir des endroits qui sont mineurs, une ville, qui ne sont pas ni connus ni parcourus par la majorité des habitants de Montréal, et en essayant de, à travers la photographie, des écritures, des hashtags, etc., en essayant, si on veut, repenser l'architecture et l'urbanisme de la ville, en mêlant de telle façon l'espace physique et l'espace numérique de la ville en soi. Ce qui permet aussi, en me rattachant à Sirman, de dire que aussi les outils font partie désormais de notre boîte à outils pour construire le monde. Donc aussi, la maîtrise de ces outils permet de détourner ce que l'État, la politique, l'autorité produisent, mais permet aussi aux citoyens, aux habitants, aux personnes de s'en emparer pour reconstruire leur monde, reconstruire l'image de la ville à eux-mêmes. Merci. Savane. Moi, je mentionnerai un projet qu'on a mené à la chaire l'année passée, qui
consistait en fait à se réapproprier aussi l'espace, notamment l'espace canadien, l'espace de la transcanadienne. Donc c'est un projet un petit peu fou, en fait, tout a commencé normalement. On s'apprêtait à déposer une proposition, un abstract au Congrès des sciences humaines, et on s'est rendu compte que le congrès avait lieu à Calgary. Alors, comme on est tous plus ou moins non-canadiens au sens du tableau, on s'est demandé, mais Calgary, c'est où? On a googlé Montréal, Calgary, et là, Google nous a fait apparaître une carte avec un petit avion. Donc, de Montréal à Calgary, ça prenait 6-7 heures. On avait les résultats Air Canada, etc. pour nous rendre à Calgary. Et on s'est vraiment posé la question, et c'est assez incroyable qu'on dise tout de suite, alors qu'on reste dans le même pays, de prendre un avion et puis ces résultats. Donc le principe, ça a été de louer une voiture et de se rendre à Calgary en camion. En documentant notre voyage, en tweetant sans cesse notre voyage, afin de comprendre comment est-ce qu'on pouvait se réapproprier un petit peu cet espace qui était celui de la route, et de comprendre s'il y avait vraiment une différence entre l'espace numérique proposé, entre autres, ce jour-là par Google, et l'espace dit réel, qui aurait été celui de la route, celui du paysage canadien. Donc, vous pouvez voir les résultats un petit peu sur le site de la chaire. Ta conclusion, c'est beaucoup de temps, mais peut-être que Marc va en reparler, c'est que finalement, nous sommes dans un espace numérique de façon très générale. Cet espace numérique comprend à la fois les informations qu'on peut trouver sur le web, comprend l'espace de l'infrastructure de la route, aussi les hôtels, les aires d'autoroute, mais comprend aussi, et ça c'est vraiment capital, l'imaginaire de la transcanadienne, l'imaginaire de l'espace, cet imaginaire qui est notamment façonné par la littérature, par les arts, par la peinture, par la photographie. Et nous-mêmes, finalement, en documentant notre voyage, en réalisant le voyage, et en le tweetant sans cesse, et en rassemblant autour de nous, d'écrivains, de voyageurs, de poètes, nous-mêmes, nous avons contribué à la construction de cet espace. Donc, c'est ce qu'on appelle l'éditorialisation de l'espace, et l'idée de montrer que l'espace ne cesse jamais de se construire, n'est pas non plus une entité essentielle et autonome, mais que c'est quelque chose que l'on construit sans cesse. Merci. Mathieu. Oui, je vais revenir à cette question de détournement. Alors, juste, ça va citer tout à l'heure une sorte d'article de Media Gatlow qui a fait très lié. Donc, on est entre une pratique associationniste, comme le mentionnait Enrico, et des formes d'appropriation médiatique qui ont vraiment du sens. Je vais mentionner en particulier un exemple qui relie, qui n'est pas vraiment un projet, mais qui relie la question de la digital literacy qu'on a traité tout à l'heure, peut-être aussi la question de l'autorité et de la vérité à cette idée de détournement, qui est une expérience que j'ai faite aussi dans le cadre des cours. Là, je souligne vraiment l'importance de l'enseignement, à mon avis, dans ces domaines. Le numérique, le fait numérique, d'être enseigné surtout. Et donc l'expérience consistait, c'était un cours d'écriture par les nouveaux médias, et l'expérience consistait à demander aux étudiants d'utiliser Facebook à des fins heuristiques. C'est-à-dire, là c'était vraiment un détournement basique de la plateforme. Ils devaient créer un personnage en partant, en créant un profil Facebook de leur personnage et en renseignant un certain nombre d'informations à propos de ce personnage, évidemment son prénom, etc. Et l'idée étant d'exploiter l'algorithme de Facebook, qui d'habitude nous exploite nos informations. Donc le profil normal sur Facebook est un profil qui donne des informations à Facebook, et Facebook évidemment monétise ces informations-là. Dans ces cas-là, c'était l'inverse, c'était nous qui essayons d'utiliser Facebook en utilisant son algorithme pour savoir quelque chose de plus du personnage qu'on crée. Donc, notamment, je crée un personnage, si Facebook fait la publicité de chaussures Nike, par exemple,
exemple, bah, ça veut dire que ces personnages aiment les chaussures Nike. Donc, je peux ajouter cette information dans la fiction que je suis en train d'écrire. Donc, je suis en train d'exploiter l'algorithme au lieu que de l'exploiter parce que évidemment, le personnage ne peut pas ne peut rien acheter. Donc, dans ces cas-là, ces données évidemment, ne sont pas monétisables. Alors, l'expérience était amusante parce que, pas seulement parce que c'était une sorte de détournement de la plateforme, c'est-à-dire un usage normal voudrait qu'on mette des informations réelles et puis que l'algorithme puisse les exploiter avant un publicitaire. Et là, c'était l'inverse, donc ça, c'est important. Mais l'autre chose qui me semble importante à souligner, c'est que en faisant ainsi, les étudiants pouvaient acquérir certaines littératie numérique. C'est-à-dire, bah, un exemple, bah, immédiatement, on était dans la même pièce à l'université, on avait créé 20 profils, les étudiants se sont rendus compte qu'il y avait un algorithme qui vérifiait les inscriptions. Et probablement basé, donc on a commencé à émettre des hypothèses, évidemment on ne sait pas, mais à émettre des hypothèses sur comment l'algorithme et à essayer des manières pour contourner ce blocage. Notamment, bah, entrer à la chaîne, son propre profil, en essayant d'avoir des amis très amis et pas seulement des amis créés au même moment. Donc, c'était une manière de prendre aussi conscience, développer une conscience critique par rapport à l'algorithme. Et donc, ce type de pratique, elle semble intéressante parce que ça se base sur des actions assez minimalistes. C'est-à-dire, ça ne demande pas, particulièrement développé, ça ne demande pas, ce n'est pas quelque chose de réservé aux élites. Parce que le grand problème de cette question du gouvernement, c'est qu'on risque d'avoir un élitisme. Ce sont les grands artistes, par exemple, ou les personnes avec des compétences techniques particulièrement poussés, qui peuvent s'approprier les outils et les détourner. En fait, ces types d'expériences-là, comme le détournement d'un profil Facebook, ne demandent pas une technique particulière. Et finalement, ce sont des usages qui sont de fait des usages courants. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas une élite numérique qui est capable de s'approprier et détourner les outils. Et n'importe qui, l'usager lambda, justement, peut le faire. D'ailleurs, je renvoie, au sein de la chaire, on a fait des analyses, justement, d'expériences de détournement des profils faites par des écrivains, notamment francophones, beaucoup d'écrivains québécois, notamment, mais des travaux de la collègue Hélène Morizone, qui est à l'Université de Waterloo, par exemple, montrent que les usages de détournement minimal existent aussi auprès, ben, il a fait du close reading de profils normaux, pour ainsi dire, c'est-à-dire on n'est pas sélectionnant le profil sur la base du fait que ça le profil, etc., mais en prenant un profil lambda, il montre que pratiquement tous les usagers ont des pratiques d'appropriation et détournement qui révèlent finalement des appropriations et des compétences et des compréhensions critiques des outils qui sont loin d'être géniales. Et voilà. Parfait, merci bien. Bien, nous en arrivons à la fin de notre ronde sur la thématique de la post-vérité. Je tiens à remercier encore une fois nos trois conférenciers, Sabine Bonjour, Enrico, Alexandre Marchese et Marcello Vittorio Rossati, et les travaux de Michel, à suivre nos activités. Nous avons un colloque ACFAS dans une semaine qui sera publié en version live sur les publications savantes, la question d'autorité sur le web. Un grand merci au Institute de nous avoir impliqués dans la journée Around the World et nous continuons à regarder avec plaisir nos collègues en Alberta et dans le reste. Jeffrey, à toi.